c'est pas pour tout de suite, mais ça non. C'est quand vous rentrerez. Donc tu vas en prendre un petit peu. Ah oui, t'as pris ça là. Voilà. Pinoc, c'est pas pour tout de suite ça. Allez. Il s'en va ton pote. Il veut pas aller au pré. Ah. Ok. Coucou. C'est toujours les mêmes, on les a pas. C'est toujours eux, oui. On lui fait des bisous. Oh, trop mimi. Tout bon. Tout meg. N'importe quoi, ceux-là, je te jure. Tenez mon san. Oh, je te vois, ma Lili, viens. Bah vas-y, mets ça non. Et voilà Lili aussi. Attention, petit saut et hop là. Venez, mets ça non. Faut penser à freiner, hein, c'est tout. Merci ça, tout le monde en a. Il y a un tas là-haut, pourquoi tu y vas pas? Venez là mes salons d'amour. Super. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Tout va bien? Vidéo du coup je disais. Ce sera un vlog. Alors ce matin, nous on a fait les vaches etc. On a donné le foin à tout le monde est dehors. Ils ont passé... la journée et la nuit à l'intérieur parce qu'il faisait un temps horrible. Donc là ils viennent de sortir, il fait soleil, ils mangent leur foin tous les 6. Et là il y a une abonnée qui va venir voir la selle de Iphy. Donc elle nous a proposé gentiment de venir. Donc Stéphanie elle a accepté. Moi je fais pas voir la mienne parce que l'ostéo a dit qu'elle était bonne, la sadolfiteuse, enfin tout le monde a dit que c'était bien. Donc je la fais pas voir mais du coup on va sortir Iphy dans quelques minutes. Et cet après-midi, on va sortir, je pense, les deux juments pour faire une petite balade. Et il faudra que j'essaye... Alors, j'ai eu comme cadeau de Stéphanie des protections de transport de chez Kramer pour Lili, du coup, vu qu'on va avoir le van dans 15 jours, 3 semaines. Enfin, on sait pas trop encore. Et du coup, il faudra que je lui essaye. Et si ça va pas, on renverra. Et du coup, on vous montrera tout ça dans ce vlog. Bon, j'ai sorti Iphy avec un peu de foin pour qu'elle patiente. Et on attend la dame. Oui. Oui. La chouchou est encore à Lili. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon alors ça t'inquiète ça ma fille. Oui, oui. Oui, elle a jamais vu un chien blanc plein de poils. Bah si, ton copain il est pareil hein, là-haut. Oui, la jaquette. Ouais, alors elle va se manger une vidéo. Regardez, puis on va... attends, on va prendre la là. Ah, tu mords pas. Tu vois, elle essaie de me mordre là. Oui, bah oui. Ça peut être un signe que la selle de son enfant, mais peut-être que c'est juste une coquine aussi. Oui. Oh oui, bah ça, ça y a pas de doute. Hein. Alors, hop. Attention, il y a une moto qui arrive. Moi, je la trouve un poil. Alors, elle a peut-être encore aussi, parce que ça fait déjà une. On a déjà changé l'arcade. Hein. Vraiment, je vais remettre une arcade plus large, parce que du coup, ça permettrait à celle de redescendre mieux. Et du coup, elle bouge vraiment aussi. Et puis le fait qu'elle soit un petit peu inconfortable aussi, oui. Parce que si ça touche devant, derrière, un peu au milieu, t'as oui. Vraiment 4 points d'appui. Mais bon, ça va, je veux dire, normalement, une fois que la selle va redescendre, elle va mieux se positionner, elle va moins appuyer là aussi. Parce que là, concrètement, moi je la sens de l'épaule. Hein. Parce que là, on sent les abdominaux, là, ce serait en plein sur son ventre. C'est ça, exactement. Et quand tu l'approches, pareil, le tapis, ça va? Elle réagit pas. Elle dit rien, non, elle dit rien. Non. Parce que là, par exemple, elle a vraiment réagi, quoi. Genre. Je veux pas de ce truc sur mon dos, ouais. Et ouais, au niveau sangle, ouais. Chut. Ouais, on va la mettre. On va manger le chien. Il y en a encore. Mais oui. Nous sommes l'après-midi. Nous allons chercher les chuchus et puis après on va se promener. Carotte. Je prends une petite carotte dans la bouche. Non. Les deux comme ça qui vont monter là-haut. Ah bah ma chuchu elle a son licolchémie, impeccable. Bah oui. Iphy. Ah elle boit un coup. Ok. Qu'est-ce que tu veux toi? J'ai plus rien, t'as eu. Ah, c'est bon je pense. Attends Malik. Bon si c'est serré, oui c'est bon. Bouge pas ma chichi, on essaye juste. À pas faire du transport aujourd'hui. J'ai un scratch. Pas que ça se décroche quoi. Non. Faut que les scratchs soient costauds. Ma chichu elle a faim. Elle a faim ma chichu. Elle meurt de faim. Bonjour. Non mais Iphy, on ne le suit pas. Hein. Elle est à Donfel. Vas-y Iphy, voilà. Iphy, trotté. Iphy, trotté. Voilà. Et moi j'ai froid. Hein. Allez, allez, tu passes. Voilà. Voilà. Allez Iphy. Voilà. Allez Iphy. Bon on fait ça et après on redescend hein. Pareil. C'est trop humide. Ah merci, bonjour, merci, c'est gentil. Attention. Des quads. Oui oui. Bonjour, merci beaucoup. Lili, elle va plus vite que Iphy. Oui. Bah oui, parce que t'es à pied, donc on la rentre là. Allez, nous, on se barre. Ouais, barrez-vous. Barrez-vous. Oh, les poulses, les poulses. Lili, tu vas pas pousser le quad, non? Voilà, un seul va mourir de faim là. On est rentré de balade en mode congelé. congelé des cuisses, congelé des yep. Mange le quad. Lili, s'il te plaît, tu me laisses passer? Merci. Qu'est-ce que tu fais? Explique-moi. Mais arrête avec ta trompe d'éléphant là! L'éléphant. L'éléphant. Allez. Bon bah elle veut plus faire. Viens, on va dehors. Lili, viens. C'est un poney. Éduquer moi. Oh non, l'autre, 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 l'autre. Oui, l'autre, l'autre. Oui, oh là, trop bien réussi, bravo. Elle fait beaucoup de bonbons. Attends, il y en a un dernier là. Mais tu vas me manger tous mes bonbons. Recule. On va refaire. L'autre. L'autre, oui! Elle a fait un pas espagnol! Bon, on voyait rien à la caméra, je suis désolée. Regardez, comme c'est magnifique. T'es trop belle, on va faire le pas espagnol, tu vas voir. Oh, le nénéphant, le nénéphant, le nénéphant, le nénéphant. On va refaire ma chuchu à notre abonné. Peut-être pas fort. Par contre, là, on a une chuchu qui est en train de prendre feu. Ici, pousse-toi. Fais ta vie, ma grosse, on t'a lâché. Oh, doucement, Lili, quand même. Lève. Non, concentre-toi. Lève. L'autre. L'autre. Oui, l'autre. 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 Bien sûr, elle fait plus bien. L'autre. L'autre. Allez. Oui. L'autre. L'autre. Oui. C'est déjà bien de changer de pied. Ouais, c'est déjà bien de changer de pied comme ça, ouais. T'auras pas de bonbons, t'en as eu 15 là. C'est clair. C'est 25. Allez, on rentre. Allez. Allez. Merci. Ouh, le caillou. Oh putain. Ah oui, ok, j'avais pas capté. Il y a un gros caillou qui est tombé au milieu de la route en fait. J'ai eu peur. Allez, Iphy. Elle a pas fait exprès. L'hélico il a peur. Je ferai plus par le licol, c'est la même. Iphy, arrête de tirer comme ça hein. Passer la chichi, Lili. Allez, là, avant. Allez, ici. Je comprends mieux pourquoi elle m'a marché dessus en fait. C'est pas qu'elle a pas fait exprès, c'est que si en fait. Voilà, on est rentrés de balade. Les chichus sont rentrés. Bon, il s'est passé un petit truc, mais Stéphanie vous racontera après. Parce que du coup, c'était pas moi, ni Lili, ni mes animaux. Donc, elle vous racontera. Et du coup, je voulais vous montrer les protectes de transport. Donc, je les ai eu à Noël, j'ai déjà dit ça. Donc, elle les a achetés sur Kramer. Et du coup, elle avait tout mesuré. Lili, elle avait envoyé des mails à Kramer, etc. pour être sûr que ça aille à Lili. Donc ça va. Alors bah il y a du poil ici, mais bon, j'ai le problème avec les cloches, j'ai le problème avec les protèges pâturons, j'ai le problème avec tout, donc ça c'est pas un souci, c'est surtout que qu'elle soit protégée quand on ira faire des cours, quand on ira faire de la calèche, etc. Alors bah du coup c'est une taille full, elles sont noires avec des petits trucs ici, ça c'est vachement pratique pour tirer les scratchs. Bon je sais pas s'ils dureront longtemps, mais parce que les scratchs ils sont impressionnants. Ils scratchent très très bien. Donc l'intérieur est comme ça. C'est un petit peu en carreau. Et puis c'est vraiment moumoute. Et puis c'est hyper épais. Donc c'est vachement bien. Du coup elle a osé m'en acheter parce que moi j'avais peur que ça lui aille pas. Donc voilà. Comme ça je sais que ça lui va. Donc ça c'était l'avant. Dans ce sens là. Donc ça c'est à droite. Et ça du coup c'est les postérieurs. Donc je vais pas ouvrir parce que l'intérieur c'est pareil. Il y a juste... Non c'est les mêmes nombres de scratch. Voilà, bah vous avez vu de toute façon l'essai. Donc voilà. Et je vais aller regarder sur internet s'il y a des housses. Parce que du coup j'ai le plastique C'était au cas où on devait les renvoyer, donc j'avais gardé le plastique, mais du coup j'aimerais bien une housse pour les mettre. Sinon je prendrai un sac basique ou quoi, parce que bon, ça coûte quand même assez cher et puis j'ai pas envie qu'elle se casse tout de suite quoi. Voilà, Stéphanie du coup de ma part, elle a eu un licol tout moumoute pour pareil pour le transport en fait. Sa chuchu elle blesse quand même assez facilement, puis dans les transports c'est quand même mieux d'avoir ça. Si elle se cogne ou quoi, enfin bon, c'est mieux. Et puis ça fait joli quand même. C'est un Time Rider du coup, et en taille cob, donc la taille de Iphy. Et du coup je l'ai trouvé sur le Bon Coin, donc bah, c'est un seconde main, mais enfin il est tout neuf quoi. Donc ça c'est trop bien. Et du coup j'ai acheté le même pour Lili sur Mini Horse Shop je crois. Moi je vous le montrerai quand je l'aurai reçu. En tout noir. Donc voilà, il y avait blanc, rose ou tout noir, mais j'ai pris basique comme ça, ça va avec tout. Et puis c'est pas un défi de mode, c'est juste pour faire le transport, donc voilà. Bon, je suis venue finir de ranger les affaires. Oh, et du coup comme on a filmé ce qui s'est passé avec Iphy là à l'instant, je voulais juste vous dire ce qui s'était passé. En fait ce qu'il y a eu c'est que je l'ai tenue par le licol comme elle était en liberté pendant que Clarisse faisait ses tours avec Lili. Je l'ai prise par le licol puisque de toute façon on rentrait. Et en fait elle lâche pas, c'est à dire que dès qu'elle sent la pression derrière la nuque et au niveau de je sais pas du trop près d'elle du licol, elle pète un câble. Donc elle s'est carrément cabrée pour échapper à la pression que je mettais un tout petit peu vraiment sur le licol. Elle s'est cabrée, du coup moi je suis tombée, je l'ai reprise, elle a recommencé, enfin bref c'était un peu le bordel. Donc bref, hein, d'habitude quand je fais les exercices où elle doit baisser la tête pour céder à la pression, ça fonctionne bien, mais là je sais pas, ça a pas du tout fonctionné. Bon enfin bref, voilà, c'était juste pour vous expliquer ce qui s'est passé puisque je l'ai filmé et que c'était un peu le bordel, enfin je pense qu'on voyait rien mais bon bref. Donc voilà, ce sera un autre point à retravailler et du coup j'ai ma selle à revoir parce que du coup on vous a pas expliqué ce qui s'est passé ce matin, mais l'arcade est devenue trop petite parce qu'Iphy a grandi, donc ce sera juste, il y aura l'arcade à rechanger puisqu'elle a grandi. Voilà, du coup je clôture la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à la prochaine, salut.